avant tout, c'est une passion et c'est le fait de transmettre sa passion. Ça fait partie de la santé, de l'évolution de soi. C'est une école de vie, c'est le vivre ensemble, c'est le vivre en santé, c'est le fait de se dépasser qui forge une jeunesse et puis dans le plaisir. C'est au travers du sport finalement qu'on peut tisser des liens. Autant au niveau psychologique que physique, s'il n'y a pas de sport, pour moi, il n'y a pas de vie. Ça se passe dans un décor juste magique. C'est vrai que notre volonté, c'est de sortir le sport de nos infrastructures sportives, d'aller à la rencontre du public. On peut faire de Genève une salle de sport à ciel ouvert. C'était vraiment notre ambition. Et on voit que le résultat est au rendez-vous. On est très heureux. Les avantages de faire du sport en club, c'est déjà d'être encadré. Il y a des coachs, des moniteurs à expérimenter qui sont là. Et puis il y a tout un suivi, un encadrement. C'est également une notion de nouveau de rencontre, c'est-à-dire que vous avez autour de vous des gens qui pratiquent la même discipline, qui ont la même envie, les mêmes passions. Généralement, ça éveille énormément d'amitié. D'avoir réussi à rassembler autant de sports différents, je crois que tout le monde est content d'être là. Les autorités ont mis en place une magnifique fête. Toutes les associations peuvent se retrouver, montrer ce qu'elles savent faire à la population genevoise. Et puis, c'est pour ça qu'on est heureux d'être là. Dans un tout petit périmètre, on peut tester plein de sports différents, de plein de saisons différentes. Je trouve ça vraiment chouette. On souhaite pérenniser cette fête du sport pour que ça devienne un rendez-vous que les Genevois attendent, au même titre, par exemple, que la fête de la musique.